dernièrement que lorsqu'ils seront prisonniers, mais quelle est la prison? Lorsque Jacob arrive en Égypte, il rentre en Égypte, ils seront expédiés vers un territoire. Quel est le territoire? Le territoire qu'on va appeler Goshen. Attention, je vous ai dit, l'Égypte est un pays séparé, mais en deux formes. Un même pays, vous avez la Haute Égypte et la Basse Égypte. Et Goshen se situait dans la Basse Égypte. Et je vous ai dit là, dans le territoire de Goshen, où a été affecté Jacob et toute sa famille, en un mot, le peuple de Dieu, c'est un territoire qui était gouverné, géré par un démon, une principauté qu'on appelle le démon Chou. Et ce démon Chou, c'est le démon de l'homosexualité. Vous comprenez que le fait d'emmener le peuple de Dieu sous le pouvoir ou l'autorité du démon Chou, qui est contre la fécondité, nous l'avons dit, ce démon-là, à son tour, c'est lui qui gère, donc qui prophétise la prison d'où seront bloquées plusieurs églises, plusieurs enfants de Dieu, pour les empêcher d'être productifs, pour les empêcher de produire au-dedans d'eux des fruits dignes de repentance, des fruits dignes de repentance. Parce que ce sont ces fruits dignes de repentance qui fait de nous des enfants de Dieu. Rappelez-vous, je pense, de Malachie 3, le verset 16, qui déclare: Vous verrez de nouveau la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas, déclare le Seigneur. Il doit obligatoirement avoir une différence entre celui qui se dit enfant de Dieu, chrétien, et celui qui n'est pas chrétien, qui est païen. Alors, 2023 nous donne un choix. Si tu veux rester chrétien, reste là-bas, reste à Shechem, ne descends pas en Égypte ou à l'Égypte. Reste là-bas. Peu importe la famine. Parce que remarquez une chose. Qu'est-ce qui a conduit Jacob et sa famille en Égypte? C'était la famine. La famine. Le manque de nourriture. Ah, bien-aimé dans le Seigneur. Le manque de nourriture, la nourriture. Mais c'est quelle nourriture? Ce n'est pas le poulet. Non. Jacob avait des biens. Oui. Il avait des troupeaux. Ce n'est pas la viande qui lui manquait, lui et sa famille. Il y avait les bœufs, il y avait là-bas. Il y en avait, ils en avaient, il avait, il avait, il avait. Mais quel est cet aliment-là, cette nourriture, qui va déplacer quelqu'un qui a des troupeaux, des troupeaux, des troupeaux, des troupeaux de bœufs pour l'Égypte, malgré la famine qui frappait dans le monde. Mais lui, il avait à sa disposition de la viande qui pouvait lui permettre de bien vivre. Mais un seul aliment seulement va le faire déplacer. Donc, ce seul aliment était plus important que tous les bœufs que lui avait, que tout le bétail que lui avait. C'est dangereux, qu'est cet aliment? Il descend en Égypte pour chercher quoi? Le pain. Hein? Il descend en Égypte pour aller chercher que le blé. C'est-à-dire le pain. Frère Cléva, t'imagines ça? Quelqu'un qui a ce troupeau, qui fait son élevage, mais la famine frappe le monde entier. Tous les pays de l'époque antique, à cette période de l'histoire, étaient en rupture du blé, n'avaient pas le pain. Donc, il n'y avait qu'un seul endroit où il y avait du pain, c'était en Égypte. Donc, tout le monde là avait besoin du pain. Donc, pour avoir le pain, il fallait aller en Égypte. Attention, il y a une prophétie que Dieu avait donnée dans le livre d'Amos. Nous allons lire. Le livre d'Amos, le prophète Dieu par
Le biais du prophète Amos nous a donné un message qui doit nous interpeller. Qu'est-ce que le prophète Amos a prophétisé? Ah, le prophète Amos. Je vais lire la version de notre ex-frère Louis Segan. Nous allons prendre le livre d'Amos. Amos 8, nous allons considérer Amos le chapitre 8. Alors, laissez-moi chercher par où nous allons commencer ce passage-là. Restez déjà dans votre Amos. Voilà, Amos 8, on va directement lire le verset 11. Amos 8, le verset 11. Écoutons, bien-aimés, la prophétie que Jésus annonce au travers du prophète Amos. Et je, si vous lisez les versets précédents que je devais lire, précise que c'est ce qui va se passer là, ce que nous allons lire, va concerner le temps de la fin. C'est-à-dire les temps que vous et nous sommes en train de passer. Qu'est-ce que Amos dit? Amos 8, le verset 11. Lisons la parole du Seigneur. Voici, les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays. Non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Amen. Donc, Dieu nous prophétise que dans la suite des temps, il y aura famine dans le pays. Mais quel pays? Mais le pays où habitent les enfants de Dieu, leur territoire de base, qui est Shichem. Leur territoire de base, qui sont les églises où les enfants de Dieu communient. On dit dans ces différentes églises-là, une famine spirituelle va frapper là-bas. On dit c'est la famine de quoi? La famine de la parole de Dieu. Donc, ces églises-là vont perdre, vont manquer la saine doctrine pour nourrir les chrétiens qui y communient. Attention! Jésus, dans Matthieu 4, Satan lui a dit une phrase. Si tu es le Fils de Dieu, transforme ces pierres en pain. Et Matthieu 4, 4, Jésus répond. L'homme ne vivra non seulement de pain, c'est-à-dire du pain physique, mais aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, Jésus nous informe que s'il y a un pain physique, il y a aussi un pain spirituel. Et le pain spirituel pour les enfants de Dieu, c'est la parole de Dieu. Or, le pain dont Jésus faisait mention était chez les Juifs, même jusqu'à aujourd'hui, leur aliment de base. De même que chez nous au Congo, notre aliment de base, c'est le foufou ou le manioc, le tchikouak. De même que chez les Juifs, leur aliment de base, c'est le pain. Mais le pain des Juifs était fabriqué à partir du blé. Voilà pourquoi Joseph, qui était le distributeur de la nourriture que tout le monde cherchait en Égypte, là, on appelait ça le blé. Donc, vous comprenez ici que, avec la prophétie biblique que Jacob est venu en Égypte parce que chez lui là-bas, le blé, le pain n'était plus. Donc, il est venu pour manger le pain de l'Égypte. Ah, église. Lorsqu'en 2024, vous remarquerez que votre église n'a plus de sainte doctrine. Au lieu de te prêcher de laisser le péché, au lieu de te dire, mon frère, ma soeur, il faut marcher dans la sanctification pour préparer le retour de Jésus. On va te prêcher des choses qui ne vont même pas arranger, façonner, améliorer, t'aider à avoir une relation propre avec Jésus. On va maintenant te prêcher les voyages.
On va te parler du développement personnel. On va te parler du coaching professionnel pour réussir dans les affaires, pour avancer dans la vie. Parce que tu vois les difficultés dans la vie, il faut penser à t'épanouir. On va vous condamner dans des prophéties. Quelle prophétie? Une prophétie où on va commencer à dire aux gens, je vous avais dit ça depuis les années passées. Ça va encore s'ajouter. Comme nous, nous aimons ça. Nous, les chrétiens. Nous aimons qu'on prophétise sur nous. Nous aimons qu'on nous parle de l'avenir. Nous aimons ça. Quand tu parles de l'avenir, là, nous aimons ça. Quand tu dis, demain, tu seras un grand homme. Là, tu es content. Si on dit seulement, non, demain, vraiment, tu ne seras pas un grand homme, tu es fâché. Non, c'est un faux prophète. Bon, nous aimons seulement le prophète qui nous annonce des bonnes choses, quoi. Ça va revenir. Ça va aussi nous accompagner en 2024. On va te dire ça. Et nous aimons aussi les prophéties où on nous dit, non, toi, c'est ton grand-père qui t'envoûte. Si toi, tu n'évolues pas dans la vie, c'est ta mère, c'est ton père, c'est ton oncle, c'est ton frère, c'est ton cousin. Nous aimons aussi ça. Et là, à ton tour, tu dis, ah, il doit mourir. Et là, tu vas aller faire là, tu vas faire le combat spirituel, il doit mourir. Les sorciers, comment ma vie doit mourir. Les sorciers, comment ma vie doit mourir. Mais tous ces prophètes-là qui vous prophétisent ces choses-là, mais pourquoi ils ne voient pas l'état de ton péché? Là, il te dit pas. Hein? Le péché que tu commets, là, le péché que tu n'as pas abandonné, le prophète ne voit pas ça. Mais le prophète voit au moins qu'il y a un sorcier qui te combat, quoi. Alors que tu ignores que le péché que toi tu pratiques est aussi un virus qui bloque ta vie. Ce n'est pas forcément un sorcier qui te bloque. C'est seulement le péché que tu pratiques qui te détruit. Donc, là, le prophète, comme il veut chercher toujours à bouffer l'argent que tu vas lui donner, parce qu'après avoir prophétisé ainsi, il va te demander. C'est pas vrai. Toi, tu vas dire Amen. Après, il va dire mets ma offrande. Tu vas amener l'offrande. Voilà comment lui, il s'enrichit derrière vous. Maintenant, si un serviteur de Dieu vient prophétiser, dit frère, tu es dans le péché, quitte le péché. On va dire c'est un faux prophète. Non, c'est un faux serviteur. On va même l'insulter, frère. C'est tout ça qui représente le blé, le pain de l'Égypte. Le pain que les gens vont manger en 2024 lorsqu'ils vont régresser spirituellement. Vous allez aller chercher le sicom de l'Égypte. Alors que Dieu a dit, malheur à ceux qui descendent pour aller chercher le sicom de l'Égypte. Il dit, malheur, il ajoute encore, aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans me consulter. Jacob, avant d'aller en Égypte, n'a pas pris le soin de consulter l'Éternel. Ah, il est venu parce que on lui avait donné l'invitation. Viens, là-bas est le pain. Le pain dont nous avons tous besoin ici. Viens. Et en 2024, lorsque les églises seront dans une famille de la sainte doctrine, il n'y aura plus de sainte doctrine. On va remplacer la sainte doctrine par le pain de l'Égypte. Vous aurez le pain de l'Égypte en abondance. Bah, voyage, bonsoir. Bani Nisusu, prospérité, on va vous donner. Quoi encore? Le mariage, on va vous donner. Le boulot, on va vous donner. Ou encore, le succès, on va vous donner. La réussite, on va vous donner. Quoi encore? Quoi encore, on va vous donner. Tout ce que vous allez vouloir, on va vous donner. Mais l'unique chose que le pain de l'Égypte ne va pas te donner, c'est le pain qui va sauver ton âme. Le pain qui va faire que ta santé spirituelle soit en bon état. Le pain qui va faire que toi, tu puisses avoir la vie de Dieu en toi. Tu n'auras pas. Autrement dit, le pain de l'Égypte, c'est comme le pain congolais. Hein? C'est le pain congolais. Tu vois, ça a la forme du pain. Mais à l'intérieur, Kamafulu namafulu. Il n'y a pas de vitamines. Donc c'est seulement un pain dans la forme. Mais à l'intérieur du pain là, il n'y a pas les vitamines. Il n'y en a pas. C'est seulement que la forme, c'est le pain congolais. Alors que lorsqu'on parle d'un pain, c'est le pain que la plupart de nos boulangeries réservent et appellent le pain complet. Alors que le pain doit être un pain complet. Parce que les Hébreux ne mangeaient pas nos pains là. Ils mangeaient le pain complet. Bon, maintenant, vous les boulangers, au lieu de nous donner du pain complet, vous nous donnez des pains illusoires.
qui ne nous aide même pas. Nos pains qu'on mange, ça n'apporte rien dans notre corps, sinon que nous remplissent des levures inutilement. Vois-tu? Ce sera la même chose avec les blés de l'Égypte. Mais les blés, le vrai blé du ciel, frère, sœur, vous n'aurez pas ça. C'est-à-dire, on ne te dira pas de laisser le péché. Au contraire, on va même te dire Dieu comprend. On va même te dire que la chair est faible. On va tout te dire. On va même te dire que Jésus était déjà mort sur la croix pour nous. Donc, péché engé, soumou kangé. Donc, marche comme tu veux. Mais on ne te dira pas que lorsque tu es enfant de Dieu, tu appartiens désormais à Jésus. Tu deviens la brebis de Jésus. Tu ne peux plus marcher comme tu veux. Tu vas marcher d'après les commandements de Jésus. Comme disait encore Jean dans ses épîtres. Celui qui dit qu'il a connu Dieu, il doit marcher comme Dieu lui-même a marché. Ah frère, Dieu a marché sur la terre. Voilà pourquoi on nous dit, nous devions être les disciples, les imitateurs de Dieu. Plus loin encore, Paul dit, soyez des imitateurs de Christ. Plus loin encore, il dit, soyez des imitateurs comme moi, je le suis de Christ. Donc, le modèle de conduite, de comportement à suivre, c'est le modèle de Jésus. Pas le modèle de l'Égypte. On va tout te dire, mais on ne te parlera pas de l'enlèvement. Demande à tous ceux qui aiment te prêcher les bénédictions. Oh non, qui t'en vote, qui t'avait vendu, frère. Qui était le démarcheur? Mais ces gens ne te diront pas, frère, que Jésus revient. Il faut se préparer à l'enlèvement de l'église. D'ailleurs, attends, les individus qui vous prêchent toujours là. Non, frère, tu es maudit, frère. Est-ce que dans leur famille, tout le monde est bien? Tout le monde, ce sont des milliardaires. Hein? Lui-même qui te prêche là, et ses enfants là, ils sont des milliardaires. Hein? Donc lui, il voit que la pauvreté chez les autres, pas chez lui, pas dans sa famille. Donc, qui vous a dit que si quelqu'un est pauvre, donc il est maudit? Qui vous a dit ça? Hein? Vous connaissez les courses de pauvreté des gens ici? Vous connaissez ça? Il y a des gens qui avaient, il avait son argent, mais il a fait faillite, il est devenu pauvre. Il est maudit. Bon, il y a quelqu'un aussi, il n'aime pas travailler, c'est un paresseux. Il est pour lui là dans son état. Hein, il est pour là. Vous dites non, il est maudit. Il est maudit par rapport à quelle base? Frère, attention. Attention. À moins que nous ne comprenons plus c'est quoi être béni. Bon, de toute façon aussi, toutes ces personnes qui font tous les jours, chaque mois, même séminaire, bon, les personnes en question aussi ne sont jamais riches. Bon, il n'y a que le pasteur qui fait ce séminaire qui devient riche. Il commence, qui t'avait vendu? Tu es maudit. Voilà pourquoi tu ne reçus pas dans la vie. Il avait commencé avec un t-shirt. Mais aujourd'hui, il a des costumes, il a des voitures. Bon, toi, que lui a prétendu délivrer, au lieu que ce soit toi qui puisses te développer, mais c'est l'inverse, c'est ce pasteur-là qui se développe. Mon frère, tu es escroqué. Réveille-toi, prends conscience. Le premier critère pour être béni, pour se développer dans la vie, le premier critère, Dieu a dit, l'homme mangera à la sueur de son front. Proverbe 12 le dit aussi, non? Que le meilleur activité de l'homme, c'est le travail. Tu veux être béni? Tu veux quitter la pauvreté? Cherche-toi un boulot. Tu seras riche. Bon, toi, tu veux pas chercher un boulot. Tu veux seulement être à l'église tout le jour, koroshi kababa. Ça veut dire que tu resteras pauvre jusqu'à ce que Jésus va revenir, jusqu'à ce qu'on va refaire le monde. Tu resteras dans ton état de pauvreté. Parce que le koroshi kababa ne va pas t'amener au développement. Ce qui t'amène au développement, c'est la capacité de faire des initiatives ou encore d'entreprendre une activité. Frère, trouve-toi un boulot. Même un petit boulot. L'essentiel, tu sois rémunéré et à partir de là, tu vas maintenant chercher que Dieu te donne la sagesse de savoir comment gérer les petits revenus que tu reçois. Maintenant, toi, tu ne veux pas, on te dit que tu es maudit. On te dit que tu es maudit. Bon, toi aussi, tu as dit, oui, je suis maudit. Bon, maintenant, depuis qu'on prie pour toi, tu n'es jamais délivré. Tu sais, c'est quelle malédiction, ça? Hein? Ça, c'est une malédiction incurable?
Alors que depuis que Jésus est venu sur la terre, les malédictions incurables n'existent plus. Parce que Romains 8, 1 dit, il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Christ. Maintenant, si ton démarcheur a toujours le pouvoir sur toi, si celui qui t'avait maudit a toujours le pouvoir sur toi, et celui aussi qui t'avait vendu a toujours le pouvoir sur toi, frère, réfléchis bien. Donc, ça veut dire que je ne suis pas encore converti. Parce que si tu es converti, ni le vendeur, ni l'acheteur, ni le démarcheur qui t'utilise comme produit n'auront le pouvoir sur toi. Pour dire, en 2024, l'évangile, le vrai, le pur évangile, la vraie doctrine sera rare. On va remplacer la vraie doctrine par les doctrines des démons. On va remplacer par la cabale va prendre la place. La franc-maçonnerie va prendre la place et son ami qui est la Rose-Croix. Ainsi que le petit yoga. C'est ce qu'on va commencer à vous prêcher dans les églises. Mais vous, vous allez prendre ça pour la bonne, pour le bon évangile. Parce que là-bas, on va vous prêcher l'évangile du social. On va vous prêcher de la vie. Comment être bien, le bien-être. Mais je vous apprends, le véritable bien-être commence spirituellement avant le physique. Voilà pourquoi la Bible dit, il y a des gens dans ce monde qui vivent, qui marchent. Ils sont vivants physiquement, mais ils sont spirituellement morts. Alors que pour aller au ciel, pour avoir part au royaume des cieux, il faut être spirituellement vivant. Physiquement mort, mais spirituellement vivant. Maintenant, pour appartenir à Satan, pour aller dans le royaume de Satan, dans le feu éternel qui attend Satan et ses démons, il faut être physiquement vivant et spirituellement mort. Donc, c'est l'inverse du royaume des cieux. Donc, le royaume des cieux appartient à ceux qui sont physiquement morts, mais spirituellement vivants. Mais le feu éternel est réservé à ceux qui sont physiquement vivants, mais spirituellement morts. Donc, c'est à toi de faire le choix. Si tu te retrouves dans la prison, sache-le que le seul recours qui te reste, tu dois implorer comme Israël, tu dois crier tout le jour pour que Dieu écoute tes supplications afin de t'envoyer un sauveur. Or, en ce qui concerne l'Église, nous avons un seul sauveur qui est Jésus. Il est dit, si le peuple sur qui mon nom est invoqué s'humilie, abandonne ses péchés, il m'invoquera. Je l'exaucerai, Amen. Je descendrai et j'agirai. Amen. Voilà le principe de base, c'est fini. Jésus le Sauveur est déjà là. Alors, bien-aimés, prenons conscience de ce que 2023 nous réserve. Amen. Alors,